Shalom peuple de Dieu, shalom à toi, shalom à toi maman Justine Combé, shalom Serana, shalom à toi Muriel, shalom mamie Thérèse Kouloulou, Emilienne shalom à toi, oh gloire à Dieu, shalom à toi mon frère, l'homme de Dieu, Daddy Chiba, que Dieu te bénisse, mon frère. Shalom à toi, ancien Charles Mwambi. Que le Dieu, mon Dieu, que je serve, te console encore. Gloire à Dieu. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis. Et je pense que nous avons passé une très très bonne journée par la grâce de Dieu. Soyez abondamment bénis. Lui qui est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant. Il n'a pas changé et il nous réserve encore des très très bonnes choses. Que toute la gloire revienne à ce grand Dieu, ce puissant de Jacob. Alors nous allons prier et recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Merci de nous avoir donné ce moment, Père éternel, pour partager ta parole éternelle. Merci. Car tu n'as pas changé et ta parole est vraie et restera toujours vraie. Bénis ces instants, bénis nos cœurs, bénis nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, soyez bénis, grande ma joie, pouvoir encore me retrouver au devant de vous, prendre ce temps, pouvoir partager la parole de Dieu, que nous soyons vraiment édifiés par la parole. Et vous savez, bien aimé, la parole de Dieu est immuable, elle est vraie, elle est certaine, elle est pure, elle est puissante, capable de changer des choses, capable de transformer les vies, capable de nous amener encore trop loin. Vous savez, nous sommes en train de parler sur les blessures intérieures, comment l'Éternel Dieu des armées aujourd'hui peut faire en sorte que tu sortes de ces choses. C'est vrai, nous avons essayé de parler, ça fait aujourd'hui, ça sera au moins la troisième séance ou la quatrième si ma mémoire elle est bonne. Alors nous croyons fermement que l'Éternel des armées est en train de nous bénir, est en train de combler encore nos cœurs, est en train de libérer parce qu'on est libéré grâce à la parole de Dieu. La Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est la vérité qui n'affranchit pas, n'est pas une bonne vérité. La vérité vient là où il y a le mensonge, là où il y a l'obscurité, là où il y a des incertitudes. C'est là où la vérité arrive. Et nous croyons, bien-aimés, que la vérité de la parole de Dieu viendra pour transformer des choses. La vérité de la parole de l'Éternel viendra pour changer, bien-aimés, afin que nos vies puissent avancer. Tu ne peux pas t'arrêter dans ta vie parce que quelqu'un t'a fait ceci. Tu ne peux pas t'arrêter dans ta vie parce qu'il y a eu ceci ou cela qui s'est passé. Mais moi, je crois que tu peux encore aller plus loin. Tu peux encore avancer dans ta vie. Tu peux encore expérimenter de grandes choses. Tu peux encore avancer avec l'Éternel. Tu peux encore vivre la main de l'Éternel. Tu peux encore vivre la grandeur de l'Éternel. Tu peux encore vivre la puissance de Dieu. Parce qu'il n'a pas changé notre Dieu. Le problème avec Dieu, c'est toi. Il a besoin de toi. Ma soeur, mon frère, Dieu a besoin de toi. Ne regarde pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi. Quelqu'un dira, mais révérend, moi, oui, j'ai dit c'est toi, parce que Dieu,
s'il veut accomplir des choses, il ne choisit pas la multitude, mais il choisit la personne idéale que tu es, que je suis. Et c'est pourquoi Dieu veut que tu puisses sortir de ce carquois, que tu puisses sortir de cette situation, que tu puisses sortir de ces blessures qui ne font que arrêter ton parcours avec Dieu, qui ne t'aide pas à avancer, à aller loin, ma soeur, mon frère. Ces choses qui t'empêchent réellement de voir la main de l'Éternel. Ces choses qui t'empêchent d'expérimenter Dieu autrement. Car il est le Dieu qui veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Il est le Dieu qui veut t'amener encore plus loin. Mais il veut que ton cœur soit libre. Il veut que ton esprit soit libre. Peu importe ce que tu as subi dans ta jeunesse. Peu importe ce que tu as subi dans ta vie. Dieu, on l'appelle, il est le réparateur des cœurs. Brisé, le cœur frissonné par des choses que nous avons rencontrées dans le monde. Ma soeur, mon frère, si tu es passé par là, tu as connu des problèmes. Je vais te dire quelque chose, peut-être ça peut te choquer. Réjouis-toi, parce que Dieu est en train de préparer ton CV. Que Dieu te bénisse, mon prophète Francis Ngom Clément. Nous t'attendons vraiment de pied ferme pour venir dans l'église évangélique à Marche, nous parler, retenez bien cette date, le 30 et le 31 octobre. Nous serons avec le prophète Francis Ngom Clément avec un thème formidable. Les ténèbres ne régneront plus jamais et Dieu va nous bénir abondamment. Bien-aimés, nous devons comprendre cette réalité. Si on t'a fait du mal, si on a fait ceci, la vie ne s'est pas arrêtée le jour où on t'a fait du mal. La vie ne s'est pas arrêtée le jour où tu as connu ton problème. Tu remarqueras que l'âge avance, la vie avance. Et ce que toi aussi tu dois faire de ton côté, c'est d'avancer aussi, d'aller encore plus loin, d'évoluer avec Dieu, d'avancer dans ta vie. Ne reste pas là en train d'incriminer toujours les gens, en train de dire si je suis là où je suis, c'est à cause de celui-ci, c'est à cause de celui-là. Mais pendant que tu es en train de le dire, la personne, elle avance. La vie avance. Et pourquoi pas toi? Pourquoi pas libérer ton cœur? Pourquoi pas permettre à ce que les choses changent, que tu évolues dans ta vie, que tu ailles encore plus loin? Car l'Éternel ne t'attend pas là où les gens t'ont condamné, là où les gens t'ont maltraité, là où on t'a pillé, là où on a fait... Non, les gens ne t'attendent pas là. Même Dieu non plus. Dieu t'attend plus loin. Dieu t'attend plus haut. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, je voudrais aujourd'hui que nous essayons de partager encore la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons partager. Et là, nous voulons parler de comment guérir les blessures intérieures. Comment guérir les blessures intérieures? Comment être guéri des blessures intérieures? Dieu est le Dieu bien-aimé qui permet certaines circonstances dans nos vies. Mais Dieu est le Dieu qui permet aussi que tu en sortes, que tu ne restes pas toujours dedans. Alléluia. Dieu est le Dieu qui permet cela pour que tu puisses avancer dans ta vie. Gloire à l'Éternel. Alors, comment guérir les blessures intérieures? Dieu veut réparer le cœur de quelqu'un. Dieu veut restaurer le cœur de quelqu'un. Dieu veut transformer la vie de quelqu'un. Il ne veut pas que les choses restent statiques. Que dans ta vie, que tu ne parles que le même langage. Cela veut dire le langage des perdants. Le langage des gens qui n'ont plus d'espoir. Le langage des gens qui croient que les autres valent mieux que eux. Frères et sœurs, tu n'es pas venu sur cette terre accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu sur cette terre laisser les autres avancer. Tu n'es pas venu sur cette terre aider les autres à atteindre les objectifs et que toi, tu restes sur la même position. Non, tu n'es pas venu pour cela. Dieu te réserve encore de grandes choses. Dieu te réserve encore des choses meilleures que cela. Les choses puissantes,
les choses fortes, pour que tu connaisses, pour que tu voies sa main, que tu voies sa puissance, que tu expérimentes sa gloire, que tu expérimentes qu'il est le Dieu qui ne ment pas, qui ne ment jamais, qui est le Dieu qui est fidèle à son alliance, fidèle à sa parole. Alors comment, bien-aimé dans le Seigneur, guérir les blessures intérieures? Premièrement, bien-aimé, ce que nous voulons dire d'abord, c'est que la guérison des blessures intérieures est possible et on peut l'expérimenter. On peut expérimenter cela. On peut expérimenter cela, on peut vivre cela. Et Dieu veut que, à ce que chacun de nous expérimente cela d'une manière ou d'une autre. Parce que lorsque il guérit l'un d'une manière, il ne guérira pas forcément l'autre de la même manière. Il est le Dieu qui a sa manière de guérir. Il est le Dieu qui a sa manière de restaurer. Il est le Dieu qui a sa manière d'établir les choses. Généralement, ce qui se passe, c'est que lorsque tu as un souci, tu as un problème, tu penses que ton problème, c'est le top. Tu penses que ton problème, c'est le sommet. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a connu les mêmes problèmes que toi. Mais laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont connu plus que toi. Sauf que tu n'as pas encore eu le temps de les rencontrer. Il y a des gens qui ont vécu des choses atroces plus que toi. Alléluia. Et ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, savoir qu'il y a une possibilité. Tu peux vivre cela. Tu peux expérimenter cela. Alors, nous allons lire la Bible. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 17. Luc, chapitre 4, verset 17. Et nous allons lire aussi Actes, chapitre 10, les versets 38. Luc, chapitre 4, le verset 17e. La Bible dit ceci. Gloire à Dieu. Luc, chapitre 4, verset 17. La Bible dit: et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà la mission de Jésus. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu es là et que ton cœur est brisé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est venu pour toi. Jésus-Christ est venu pour te restaurer. Jésus-Christ est venu pour changer des choses. Jésus-Christ est venu pour transformer des choses dans ta vie. Et dans les livres des Actes, chapitre 10, les versets 38. Oh, j'aime bien ces versets. C'est un verset vraiment formidable. Oh, gloire à Dieu. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé, c'est possible d'expérimenter la guérison. C'est possible d'être guéri. C'est possible que ton cœur soit libéré de tout ce qui est fardeau. C'est possible, ma soeur, mon frère, que ton cœur vive réellement la grandeur et la puissance de Dieu. C'est possible, car Dieu ne fait exception de personne. Il guérit jusqu'à présent, il restaure jusqu'à présent, il transforme jusqu'à présent. Gloire à l'Éternel. Et pour cela, pour être guéri, je vais donner un exemple. Tu vas voir un médecin, et quand tu arrives, le médecin te posera la question de savoir que veux-tu qu'il fasse pour toi lorsque tu arrives auprès du médecin. Et aussi, ma soeur, mon frère, pour être guéri des blessures intérieures, tu dois savoir que tu es blessé. Le problème, c'est que quand tu ne sais pas ou quand tu ne veux pas reconnaître que tu es blessé, rien ne pourra
on s'opérait. Que Dieu te bénisse, Ikern, ma fille. Et ça, c'est très important. Tu dois comprendre que tu es blessé. Si tu blesses, si tu fais ce qui est contraire, c'est parce que tu es blessé en toi. Tu es blessé. Et si tu ne prêtes pas attention, ma soeur, mon frère, je vais vous donner un exemple. J'ai perdu ma maman. Si dans mon cœur, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe généralement dans la vie, c'est quoi? Il y a d'autres personnes qui deviennent hostiles, qui deviennent jaloux des gens qui ont leurs parents en vie. Vous comprenez? Simplement parce qu'il y a la blessure au niveau du cœur. Est-ce que tu reconnais réellement que tes réactions, ce que tu fais, c'est parce que tu es blessé? Reconnais-tu cela? Que les choses qui se passent dans ta vie, tes réactions, des fois quand tu réagis, simplement ce n'est pas parce que tu veux réagir, c'est parce que ton cœur est blessé. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'acceptes qu'il y a des blessures dans ton cœur? Blessure due à la naissance. Blessure due aux injustices que tu as connues dans la vie. Blessure due au fait que les gens t'ont abandonné. Quand tu reconnais cela, ma soeur, mon frère, c'est là maintenant la porte de la guérison. C'est par là, bien aimé dans le Seigneur, que quelqu'un peut être restauré. Parce que quand on ne reconnaît pas qu'on est blessé, on va commencer à blesser les autres. On va commencer à faire du mal. Parce que tu ne reconnais pas que dans mon cœur, il y a des fissures. Dans mon cœur, il y a des problèmes. Dans mon cœur, il y a ceci. Reconnais cela, frères et sœurs. Reconnais cela. Que ce que je vis, c'est à cause de la blessure. Ou des blessures, je voulais dire. Dans mon enfance, je n'ai pas connu cet amour maternel. Je n'ai pas connu cet amour paternel. C'est ce qui fait que à chaque fois que je vois les enfants en train de se réjouir, je suis en train, d'autres enfants, je suis en train de réagir, non pas par rapport aux choses que les enfants font, mais par rapport à la blessure qui n'a jamais été guérie au niveau de notre cœur. Lorsque je vois les gens dans leur couple avancer, comme moi je suis blessé, j'ai connu le divorce, je souhaite aussi que les autres passent par là. Frères et sœurs, tu ne peux pas souhaiter que quelqu'un d'autre passe par là où tu es passé. Je parle bien dans le mal. Au contraire, tu peux aider aussi la personne à ne pas connaître cela. Alléluia. Alléluia. C'est ça le premier point. Tu dois d'abord reconnaître que tu es blessé. Il ne faut pas dire non, les gens m'ont blessé. Il ne faut pas dire non, la société m'a blessé. Mais tu dois reconnaître que tu es blessé. Parce que ce que les gens ont fait, ce que tu as connu dans la société, c'est toi maintenant qui l'expérimentes. Tu peux me dire, on m'a escroqué, mais moi je ne vois pas ça. Tu peux me dire que j'ai vécu de telles choses dans la vie, mais moi je ne le vois pas. Mais c'est toi qui vis la chose. Mais comme toi tu la vis, tu dois accepter que c'est une blessure. C'est quelque chose d'anormal dans ma vie. Tu ne peux pas vivre avec des blessures, ma soeur. Tu ne peux pas continuer avec des blessures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Suis-je en train de communiquer à quelqu'un? Alléluia. C'est toi qui es blessé. Reconnais cela. Reconnais cela. Mes réactions sont dues parce que je suis blessé. Reconnais cela, ma soeur, mon frère. Et le Dieu qui est vivant va t'aider. Va t'aider. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand tu reconnais que tu es blessé, tu reconnais que je n'arrive pas à avancer dans ma vie à cause de ces blessures, à cause des choses que j'ai connues dans la vie. Je reconnais qu'on m'a fait du mal. Je reconnais qu'on a abusé de moi. Je reconnais ceci, je reconnais ceci. Et quand tu reconnais cela, ça te donne déjà une position. La délivrance commence déjà. Parce qu'on ne peut pas libérer quelqu'un qui ne reconnaît pas, qui n'a pas ce besoin-là. Reconnais d'abord, c'est ça le premier point. C'est ça le lieu de départ, que je suis blessé. On s'est moqué de moi. Que j'étais gros, j'étais grosse, j'étais ceci. Je reconnais cela. Je reconnais qu'on m'a fait du mal. Je reconnais cela. Et je suis blessé. Mes réactions que vous voyez, c'est dû aux blessures. Et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'être secouru. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ est venu
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Brisé par le décès des parents. Brisé par tout ce que tu as subi comme injustice. On t'a maltraité, blessé par ces choses. Et là, l'Éternel, Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour toi. Célibat prolongé. Maladie incurable. Pauvreté absolue. Et tu es là maintenant, bien-aimé. Tu commences à te venger dans la société. Non, Dieu ne veut pas cela. Il veut que tu puisses te libérer. C'est ça le premier point. Pour être guéri, il faut savoir qu'on est blessé. Et deuxièmement, quand tu sais que tu es blessé, la deuxième des choses, tu dois savoir que tu es incapable de guérir le mal seul. Tu ne peux pas guérir. Tu ne peux pas te guérir seul. Tu ne peux pas en venir surmonter cela seul. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin que quelqu'un puisse t'aider. Tu as besoin d'un secours. Tu as besoin de la main de l'Éternel qu'il puisse t'aider. Que Dieu réellement puisse s'élever dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que, en dépit de tout ce qu'il connaît, il est incapable de sortir seul. Il est incapable de trouver la guérison seul. Il est incapable de pouvoir vivre réellement la délivrance totale seul. Si tu es là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur des armées est aussi là pour toi. La Bible dit, vous avez vu comment Dieu a oint de force et de puissance. C'est Jésus qui allait des lieux en lieu, guérissant des malades, purifiant les lépreux. Voyez, Jésus-Christ est guéri. Jésus-Christ est restauré. Tu es incapable, depuis que tu t'es battu, depuis que tu as essayé d'arriver à bout des choses seules, tu verras que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à aller loin. Tu n'arrives pas à expérimenter la gloire de Dieu. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à atteindre ces choses parce que, ma soeur, mon frère, tu as essayé de par toi-même. Je vais te donner un exemple. Si tu veux réellement savoir que ces choses-là, les blessures n'existent plus. Lorsque tu vas te retrouver devant la personne qui t'a causé du tort, quelle serait ta réaction? C'est en cela que tu reconnaîtras que réellement tu es guéri ou tu ne l'es pas. Ta réaction vis-à-vis de la personne, même si tu ne la montres pas, mais au niveau de ton cœur, comment ton cœur réagit par rapport à la personne? C'est en cela, ma soeur, mon frère, que tu vas comprendre. Shalom à toi, ma fille Laetitia. Et ça, c'est très important, bien-aimé. Est-ce que tu penses réellement, bien-aimé, dans le Seigneur, que tu es incapable de t'en sortir toi-même? Tu as essayé à maintes reprises. Il y a des gens, des fois, qui disent, non, j'ai pardonné. Mais à un moment donné, tu vois, la chose revient encore. La personne balance encore les mêmes choses. Parce qu'au fond de son cœur, le pardon n'existait pas. C'était que la bouche, mais le cœur n'avait pas pardonné. Es-tu parmi ceux-là qui réellement, qui pardonne, qui oublie grâce au Seigneur, où il y a encore la rancune, où il y a encore une dent au niveau de toi, c'est que tu n'as jamais pardonné. Et la Bible nous dit, heureux les gens qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ces versets-là, en lisant, bien aimé, ça m'interpelle de voir que quand on n'a pas le cœur pur, on ne verra pas Dieu. On ne verra pas Dieu. On ne verra pas Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Des fois, nous essayons de tromper. Des fois, nous essayons de nous présenter autrement. Mais la Bible nous dit, Dieu, lui, sonde le cœur et le rein. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait ce qui est caché en toi. Dieu le sait. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'aider à sortir de cette blessure? Crois-tu que Dieu peut t'aider à pouvoir sortir de cette plaie? Cette plaie. Frères et sœurs, si tu as tes parents en vie, c'est différent avec quelqu'un qui a perdu les parents, qui a perdu l'un de ses parents. C'est différent, je vous assure. D'autres voient la vie d'une manière différente. D'une manière différente. Tant que quelqu'un n'est pas passé par le chemin, frères et sœurs, ne soyons pas prompts à critiquer les autres. Parce que nous ne savons pas ce que l'autre connaît. Nous ne savons pas, nous ne comprenons pas ou nous n'arrivons pas à appréhender le mal qu'il connaît. Mais bien aimé, toi qui passes
cette situation. Toi qui as connu ces choses-là, l'Éternel Dieu te parle. Il te dit qu'il est venu, Jésus est venu pour guérir. Si tu lui laisses le temps, il est capable d'agir. Il est capable de transformer. Il est capable de bénir. Il est capable de faire encore de grandes choses. Il est capable d'opérer encore de miracles dans ta vie. C'est pourquoi en anglais on dit « God is able to do abundantly, above everything ». Dieu peut faire abondamment, au-delà de toutes choses. Au-delà. Crois que Dieu peut te faire sortir. Tu as connu le viol. Crois que Dieu est capable de réparer cela. Tu as connu des abus. Crois que Dieu est capable de t'en faire, de t'en sortir. Dieu est capable de tout, bien-aimé. Dieu est capable de tout. Dieu est capable. Moi, je le crois. Moi, je le crois, bien-aimé. Dans la première des choses, il faut savoir qu'on est blessé. Il y a plusieurs types de blessures. Il y a des blessures liées à la vie, liées à bien-aimé, tellement, c'est-à-dire liées aux relations. Tu as pris la décision en disant, moi je ne peux plus aimer des gens parce que j'ai été blessé à cause de ceci, j'ai connu ceci. Laisse-moi te dire, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Il y a des gens qui sont passés aussi par là. Il y a des gens qui ont connu aussi ces choses. Qui ont connu ces choses, mais qui ne sont pas morts. Mais toi aussi, comme tu n'es pas mort, laisse-moi te dire, Dieu est capable. Notre Dieu est capable. God is able to change everything in your life. Dieu est capable de changer toute chose dans ta vie. Yes. Voyez, cet homme, le président Obama, quand il est venu, il a dit, yes, we can. Oui, nous pouvons. Oui. Moi, je ne dirais pas yes, we can. I can say yes, I can. Oui, je peux. Je peux. Tu peux. Si les gens bien-aimés ont expérimenté la puissance de Dieu, si les gens ont expérimenté la main de Dieu, toi aussi tu peux l'expérimenter. Tu peux sortir de cela. Tu peux sortir de ces blessures-là. Comme tu as reconnu, maintenant tu sais que tu es incapable. Laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle. Jésus est venu. Cet homme de Galilée, cet homme formidable, il est venu pour réparer. Il est venu pour changer. Il est venu pour te faire sortir de cela. Pourquoi tu es en train de t'incriminer? Pourquoi tu souffres jusqu'aujourd'hui? Pourquoi tu n'arrives pas à t'en passer? Parce que tu veux la vengeance seule. Tu veux seulement que toi-même, que tu sois là, que toi-même, tu puisses te venger. Cet homme qui a fait ces signes, en tout cas, je vais me venger. Jusque là, lorsque tu regardes l'homme, c'est avec un œil, tu dis, je dois faire du mal. Bien-aimé, comment tu peux prier et tu gardes toujours rancune et tu as toujours ce projet de faire du mal? Non, bien-aimé, ce n'est pas bien, ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu. C'est vrai, il a fait du mal. Et vous allez voir aussi peut-être qu'en te faisant du mal, la personne prospère, la personne avance dans sa vie. Mais toi, quelque part, tu sens que tu recules. Et la colère, là, bien-aimé, ça te fera que tu restes là, tu dis, un jour viendra, je vais me venger. Non, la vengeance appartient à l'Éternel. Sois guéri parce que toi, tu crois que tu es en train de bloquer la personne. Non, tu te bloques toi-même. La Bible nous dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cela veut dire, ton pardon est lié au fait que tu pardonnes les autres. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça le christianisme. C'est ça l'évangile, bien-aimé. C'est ça l'évangile. Oui, ma fille de Kayoka. Ça, c'est vrai. C'est à Dieu, non pas aux hommes. Tu ne peux pas te venger. Parce que tu ne sais peut-être que cet homme-là est plus fort que toi. Il peut encore te nuire. Il peut encore nuire à ta vie, même à tes enfants. Alléluia. Frère, le temps est venu où tu dois laisser Dieu agir. Yes, he can. Praise God. C'est très important de comprendre cette réalité. Dieu est capable. God is able. God is able. Dieu est capable de te faire sortir de cela. Tu es incapable, mais je te dis, Dieu est capable. Et lorsque tu reconnais que tu es blessé, deuxièmement, tu te vois incapable. Troisièmement, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est qu'il faut aller maintenant à la bonne adresse. C'est ça aussi le problème.
Tu peux croire, dire à haute voix, je suis blessé. Ça, c'est vrai. Tu le dis à haute voix. Non, je suis blessé, je suis blessé. D'accord. Et tu le dis aussi que non, je suis incapable d'en sortir. C'est vrai. Mais maintenant, la troisième chose, c'est aller à la bonne adresse. Lorsque tu ressens des difficultés, lorsque tu sens ces blessures, tu vas où? C'est ça le problème. Il y a des gens qui vont se confier auprès des blessés. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Bien aimé, retiens ceci. Un exemple, un indice. Quand tu as un problème sérieux, tu vas auprès de quelqu'un qui envenime la situation. Sache qu'il ne t'aime pas. La personne que tu fuis généralement, quand je vais lui dire, il m'abaisse, c'est lui-là, il t'aime. Parce qu'il ne veut pas que les choses s'enflamment dans ta vie. Quand tu vas chez quelqu'un, oui, en tout cas, cette fois-ci, on doit aller l'attaquer, on doit aller faire ceci, tu dois te venger. Non, cette personne ne t'a jamais aimé. Quelle est l'adresse? Quelle est la porte là où tu vas frapper? Quelle porte? La porte d'un blessé, tu seras blessé. La porte là où tu vas frapper. Parce que tu veux sortir. Tu veux sortir. Mais quelle est la porte? Quelle est la porte? Nous allons lire un passage dans la Bible, bien-aimé. Gloire soit rendue à l'Éternel. Deux Chroniques, chapitre 22. Alléluia. Gloire à Dieu. Deux Chroniques, chapitre 22. Versets 5 à 6. La Bible dit ceci. Deux Chroniques, chapitre 22. 5 à 6. Entraînés par leurs conseils. Suivez bien. Entraînés par leurs conseils. Il alla avec Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, à la guerre contre Azaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galade. Et les Syriens blessèrent Joram. Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama, lorsqu'il se battait contre Azaël, roi de Syrie. Azaria, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab. Pourquoi bien aimer dans le Seigneur? Lorsque tu pars, tu frappes dans une mauvaise porte. Tu vas te retrouver, ma soeur, mon frère, auprès de quelqu'un qui va t'induire en erreur, qui va te pousser à te venger, qui va te pousser à faire du mal, qui va te pousser à dire des choses des fois. Même ton bien aimé, comment on peut te prêter les mots? On te dit quand tu vas arriver, il faut lui dire ceci, il faut lui dire ceci. Toi aussi, tu enregistres. Quand tu arrives, excusez-moi, tu deviens comme un perroquet. Tu commences seulement à dire ce qu'on t'a dit. Mais ça ne vient pas de toi. Ce qui se passera, c'est quoi? Tu es allé dans une mauvaise porte. Cette personne-là ne t'a pas aimé. Cette personne-là ne t'aime pas. Alléluia. Yes, bad influence. Cette personne t'influence d'une manière négative. Et comment, bien-aimé, tu peux savoir que quelqu'un commence à avoir de l'emprise sur toi lorsque tu commences à réfléchir comme lui, tu commences à parler comme lui, tu commences à dire ses paroles, ça se retrouve dans ta bouche. Sache que tu commences à avoir une influence, bonne ou mauvaise. Tu prends un langage qui n'était pas approprié, qui n'est pas à toi, qui n'est pas toi. C'est-à-dire quand les gens te regardent, même toi-même tu te regardes, tu trouves que tu n'es plus vrai, ce n'est plus la même personne. Et toi-même tu le dis aussi, en tout cas j'ai changé. Mais tu changes en mal, tu le sais, mais tu restes dedans. Parce que tu es allé à la mauvaise porte. Qui sont les gens qui t'entourent? Par rapport à tes blessures, qui sont ces gens-là? Tu es auprès de qui? Tu te confies à qui? Tu parles à qui? Qu'est-ce qu'ils te disent? Ça t'aide ou ça te détruit. C'est pourquoi dans la vie, si tu veux aller loin, ne prête pas ton oreille à n'importe qui. Ne prête pas ton oreille à n'importe qui. Alléluia. Ne prête pas ton oreille à n'importe qui. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Vient de ce qu'on entend. Le doute aussi vient de ce qu'on entend. La qualité de ta vie dépend de la qualité de ce que tu écoutes. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés. Lisons encore un passage. Livre des Psaumes, chapitre 109. Psaume, chapitre 109, verset 22. La Bible nous dit ceci. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi.
Je suis malheureux et indigent et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Frère, si tu ne connais pas la bonne adresse, tu iras frapper auprès d'un sorcier. Tu iras frapper auprès d'un blessé. Tu iras frapper auprès de quelqu'un, ma soeur, mon frère, qui n'est pas providentiel pour toi. Regarde dans ta vie. À chaque fois que tu es blessé, lorsque tu vas rencontrer la personne, qu'est-ce que cette personne te donne comme conseil? Est-ce que la personne t'aide à avancer ou pas? Regarde combien d'erreurs qui ont été commises dans ta vie parce que tu as frappé à la mauvaise porte. Alors que lui, il est là. Il dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus, bien-aimé, la Bible nous dit que c'est lui la porte. Lorsque tu viens, tu frappes à son adresse. Jésus-Christ ne viendra pas condamner. Jésus-Christ a besoin d'abord de te récupérer. Parce que tu es un soldat dans son armée. Il veut d'abord te récupérer parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur, tu as de la qualité entre ses mains. Tu es un vase d'or entre ses mains. Il a besoin de refaçonner. Il a besoin de transformer les gens. Mais il veut d'abord commencer par toi. Parce que ce que toi tu as connu, les difficultés auxquelles tu es passé, Dieu sait que par cette entremise-là, toi aussi, par ta biographie, tu pourras aider les autres à s'en sortir. Tout ce que tu connais dans la vie, c'est pour ton bien. C'est pour aider aussi les autres. C'est pour aider les autres. Si tu as connu des déceptions, si tu as été trompé dans le mariage, tu pourras aider les gens à pouvoir connaître, savoir comment marcher. Ce n'est pas pour toi un motif de vengeance pour dire, comme j'ai connu ces expériences, je vais me venger dans la vie. Laisse-moi te dire, en faisant cela, tu te détruiras toi-même. Tu te détruiras. Tu te détruiras parce qu'au-dessus de toi, il y a toujours un plus fort que toi. Il y a toujours un plus fort que toi. Alléluia. Oui, il y a toujours un plus fort que toi. C'est pourquoi quand tu reconnais cela, ma soeur, mon frère, reviens au Seigneur, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Voilà la bonne adresse. C'est Jésus. Blessures intérieures. Blessures à cause de la pauvreté, à cause de... Bien-aimé, il a dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour dire aux captifs, soyez libres. Il veut réellement ta liberté. C'est pourquoi il vient. Lui n'impose pas. Il frappe seulement à la porte. Et si tu es disponible, il entrera. Il agira. Il fera de grandes choses. Il va t'épargner, ma soeur, mon frère, de beaucoup de choses. Il va le faire. Moi, je crois que Dieu va le faire. Si tu crois avec moi, tu dis Amen encore. Je dis, si tu crois avec moi, dis encore Amen. Parce que Dieu est capable. Dieu a la possibilité. Dieu a la possibilité de changer des choses. Dieu a la possibilité de transformer. Il a toujours quelque chose à faire. Alléluia. Oh my God. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis en train de célébrer quelqu'un qui est en train de sortir de ses blessures. Je suis en train de célébrer quelqu'un qui est en train de connaître sa délivrance. La chose qui a demeuré, cette blessure qui a demeuré longtemps en toi. Je suis en train de te célébrer pour te dire gloire à l'Éternel qui est en train de te libérer de ces choses-là. Qui est en train de te libérer. Qui est en train de libérer ton cœur. Qui est en train de libérer ta vie. Alléluia. Alléluia. Non, je parle à quelqu'un. Dieu est en train de le faire. Maintenant, non pas demain, maintenant, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette parole est en train de nous libérer, cette parole est en train de nous rendre libres pour dire à quelqu'un, c'est encore possible, c'est encore possible. Alléluia. Oh, it is possible, again, again and again. Dieu est capable de le faire encore, encore et encore. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Oh, mighty God, alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimé, donc j'ai donné un peu les trois points préliminaires. Donc la première des choses, tu dois reconnaître que tu es blessé. Deuxièmement, tu dois reconnaître que tu es incapable de sortir, de te libérer par toi-même. Et troisièmement,
il faut aller à la bonne adresse. Et je vous ai montré la bonne adresse, ce n'est que Jésus. C'est Jésus qui est la bonne adresse. C'est Jésus qui sait garder même notre réputation. C'est Jésus qui peut le faire. Donc quand ces trois choses, tu reconnais que tu es blessé. Deuxièmement, tu te dis que tu es incapable de te libérer toi-même, par toi-même. Et troisièmement, tu vas à la bonne adresse qui est Jésus. Bien-aimé, la différence, la qualité de ta vie va changer. Alors, laissez-moi maintenant vous donner deux méthodes que tu peux utiliser pour être guéri des blessures intérieures. Prenons encore la parole de Dieu. Psaume chapitre 107, verset 19 au verset 21. Psaume chapitre 107, 19 à 20. La Bible dit, « Dans leur détresse, wow my God, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. » Verset 20. « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Maintenant que tu as crié à l'Éternel, la première méthode, bien-aimée dans le Seigneur, pour être guéri ou sortir des blessures intérieures, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand tu deviens ami à la parole, tu lis la parole régulièrement, tu la médites, l'Éternel Dieu va se saisir de sa parole pour te guérir, pour te faire sortir de cela. Dieu va se saisir de sa parole. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il sait que tu es blessé. Et quand tu es en train de lire cette parole par rapport aux blessures, l'Éternel Dieu est derrière sa parole. Il fait en sorte que, il veille à ce que cette parole porte du fruit dans ta vie. Et quel est le fruit? C'est que tu sois guéri. Que tu te dises en toi-même, non, le Seigneur m'a fait du bien. Sa parole m'a fait du bien. Frères et sœurs, tout ce dont tu as besoin se trouve dans la parole. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans la parole. Se trouve dans la parole. Il n'y a rien, ma soeur, mon frère, dans le Seigneur. Il n'y a rien qui existe que la parole n'a pas la capacité de maîtriser. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas beaucoup plus de temps à la parole. Nous n'accordons pas le temps à la parole. Mais lorsque nous accordons le temps à la parole, bien aimé, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des transformations. Parce que la parole de Dieu libère. La Bible dit qu'elle est un couteau à double tranchant. Cela veut dire qu'elle peut couper et peut baliser le chemin. Amen. La deuxième méthode, Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 34. Oh, mighty God. Luc chapitre 10, verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Luc 10, 24. Gloire à Dieu. La Bible nous dit ceci. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Bien-aimés, la deuxième méthode, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimés, à part la parole, Dieu utilise l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous convainc. Le Saint-Esprit nous parle par une petite voix. Ma fille, abandonne. Mon fils, abandonne. Ne t'enfle pas. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Ne rends pas le mal. Et tu remarqueras, ma soeur, mon frère, quand tu veux faire le mal et qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui bouillonne, sache une chose, que c'est l'Esprit de l'Éternel qui est en train de te parler. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre pour te dire, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ma soeur. Ne fais pas ça, mon frère. Le Saint-Esprit nous parle par une petite voix. Est-ce que tu as encore cette facilité d'écouter encore l'Esprit de Dieu te parler? Est-ce que ton cœur est encore sensible pour l'écouter?
C'est de petites voix douces qui n'obligent pas, mais qui parlent avec douceur. Pour nous parler, pour nous rappeler que c'est lui seul qui peut faire quelque chose dans ta vie. C'est lui seul qui peut te restaurer. C'est lui seul. Laissons le temps à l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu se sent comme emprisonné parce que à chaque fois que le Saint-Esprit nous parle, nous n'avons pas le temps pour lui. Nous voulons faire ce qui est notre volonté. Nous voulons faire ce qui est à nous. Et pourtant, le Saint-Esprit de Dieu a besoin de te parler. Le Saint-Esprit de Dieu a besoin de rectifier les choses dans ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu a besoin de te toucher. Est-ce que quelqu'un peut-il dire avec moi, Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, transforme-moi. Oui, tu as assez pleuré, tu t'es posé beaucoup de questions. Mais le Saint-Esprit de Dieu veut te consoler. Le Saint-Esprit de Dieu veut te transformer. Le Saint-Esprit de Dieu veut changer ta vie. Tu as reconnu beaucoup d'injustices. Tu as lu la parole de Dieu, mais des fois, tu n'arrivais pas à être convaincu. Mais laisse-moi te dire, nous laissons le temps à l'Esprit de Dieu. Si tu laisses le temps au Saint-Esprit, il va te consoler. Il va essuyer tes larmes. Il va te dire, laisse, abandonne, abandonne. Le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre maintenant. Je dis, le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre maintenant. Il est en train de toucher ton cœur. Donc, je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Toi qui n'arrivais pas à pardonner, le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre. Toi qui as connu l'injustice, le Saint-Esprit de Dieu est en train de te faire défiler ta vie. Est en train de te faire défiler toutes les étapes de colère dans ton cœur. Colère contre tes parents, colère contre tes frères et sœurs, colère contre les membres, colère contre les églises, colère contre les pasteurs, colère contre la société. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de te parler. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de te toucher. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit de Dieu te parle aussi. Pendant que je parle, tu sens dans ton cœur, il y a même des larmes qui coulent. Ce n'est pas, c'est parce que c'est la colère. C'est la colère. Tu as souffert. La colère de l'injustice. La colère de l'injustice. La colère anime ton cœur. Les blessures intérieures. Oui, mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit a un travail à faire ce soir ou selon l'heure à laquelle tu es connecté. Le Saint-Esprit veut faire un travail dans ton cœur. Le Saint-Esprit veut enlever ce qui est dans ton cœur, veut te décharger. Le Saint-Esprit de Dieu veut enlever cela. Tu as demeuré sur cette montagne de tristesse, cette montagne de rancune, cette montagne de vengeance. Le Saint-Esprit veut te faire descendre dans la vallée. Il veut enlever en toi tout ce que tu connais. Tout ce que tu connais comme déboire. Tout ce que tu connais comme injustice. Non, je parle à quelqu'un. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu te touche. Donc je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Ne regarde pas ta soeur, ne regarde pas ton frère, mais c'est toi. C'est un travail qu'il veut faire dans ta vie. Dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse le temps au Saint-Esprit. Saint-Esprit, s'il te plaît, manifeste ta puissance. Guéris les cœurs maintenant. Guéris le cœur au nom de Jésus. Guéris le cœur au nom de Jésus. Guéris le cœur au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut-il dire avec moi, Saint-Esprit, touche-moi. Dis seulement, Saint-Esprit, touche-moi. Dis au Saint-Esprit, touche-moi.
Saint-Esprit, touche-moi. Korabro saterebe. Dis Saint-Esprit, touche-moi. Mambro katelabaseta la bagué. Saint-Esprit, touche-moi. Dis Saint-Esprit, touche-moi. Dis Saint-Esprit, touche-moi. Répète avec moi. Saint-Esprit, touche-moi. Touche-moi, Saint-Esprit. Alléluia. Pendant que tu es en train de le dire, le Saint-Esprit est en train de te toucher maintenant. Le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant. Le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant. Mandela bashenda le bokatelebe. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Oh, je sens réellement une forte chaleur au niveau de mes mains. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de toucher. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de toucher maintenant. Au nom puissant de Jésus. Non pas pour que tu tombes, mais pour que ton cœur soit libéré. Pour que ton cœur soit libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton cœur soit libre. J'ai dit que ton cœur soit libéré de cette blessure au niveau de ton cœur. La perte qui était occasionnée, le décès de tes parents, le viol que tu as connu, l'injustice que tu as connue. Hallelujah! Mandele bokalaba chetele bege. Le rejet que tu as connu dans ta vie, que cela te quitte maintenant au nom de Jésus. Que cela te quitte maintenant au nom de Jésus. Les déceptions au niveau du mariage, au niveau des fiançailles, que cela te quitte maintenant au nom de Jésus. Dieu a un plan pour toi. Je dis, Dieu a un plan pour toi. Le fiancé, la fiancée qui était partie n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais l'éternel Dieu t'accordera ce qui est le désir de ton cœur. Ne le garde pas dans ton cœur. Alléluia. Ne le garde pas dans ton cœur. Libère-le. Laisse-le partir. Car c'est ton temps de la délivrance. C'est le jour de ta délivrance. L'éternel des armées veut te libérer. L'éternel des armées veut te délivrer. Au nom de Jésus, la colère qui monte à cause des injustices, sois libre de cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi le mal-aimé, rejeté de ta famille, abandonné. Toi qui as vécu la discrimination sexuelle, la discrimination raciale, la discrimination dans toute sa globalité. L'Éternel des armées avance vers toi pour te dire, le temps est arrivé où il veut te libérer. C'est ce soir, ce n'est pas demain, c'est ce soir où il est en train de te libérer. C'est ce soir où il est en train de te libérer. Je dis, sois libre au nom de Jésus. 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 Que ton esprit ne vive plus l'esclavagisme des blessures. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, je vois la délivrance arriver dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de voir la délivrance arriver dans la vie de quelqu'un. Celui-là ou celle-là dira avec moi, je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libéré au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Et pendant que tu déclares, je te le dis, tu es libre maintenant. Korabo. Ndelebo sakalamake ndelebo sata. Sois libre. Sois libre. Sois libre de toute condamnation. Sois libre de toute condamnation. Tout ce que le diable te rappelle comme raté de ta vie, je te libère de ces choses au nom de Jésus. J'ai dit, je te libère maintenant au nom de Jésus, par la puissance et l'autorité de la parole de Dieu. Sois libre de cela. Sois libre de cela. Au nom puissant de Jésus, que ton cœur soit libre maintenant au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, tu as assez demeuré sur cette montagne. Des difficultés, des pleurs, et je viens déclarer au nom de Jésus, tu es libre. J'ai dit tu es libre, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ne te fais pas du mal, laisse-moi te dire, ne te fais pas du mal. Toi qui avais pris la mauvaise décision de quitter ton mariage, ne quitte pas ton mariage. Toi qui avais pris la décision de pouvoir faire du mal, remettre peau sur peau, arrête cela. Laisse l'éternel Dieu accomplir son œuvre dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Kolabro sakenda lebo sheta lambake. Yekondo lobo sita lamage. Le Dieu vivant.
le Dieu puissant. Alléluia. 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 Sois libre. Sois libre. Alléluia. Donc pendant que je le dis, je sens cela arriver dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, sois libre. Ma soeur, sois libre. Mon frère, sois libre. Tu n'as pas besoin d'être agité, mais de croire que la parole de Dieu est venue pour toi. Est venue pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne sois plus la même personne. Ne sois plus la même personne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Prends courage. Dieu marche avec toi. Lève-toi maintenant. Essuie tes larmes. Époussiette-toi. Change de vêtements. Enlève ces vêtements de deuil. Enlève ces vêtements de blessés. Enlève ces vêtements de tristesse. Enlève cela. Tu dois avancer avec Dieu. Korabro seta la bagé. Yekonda la bachete de bekalama sete de bege. Ndelebo site de bekalama sete de bege. Ndelebo sakala bagé. Nachela yo motema. Nachela yo motema. Nachela yo motema nanga. Nachela yo motema. Bitumba nango bundolo nga yango. Nachela yo motema. Sabaote kote langa ya ya. Nachela yo motema. Nachela yo motema. Nachela yo motema. Nachela yo motema nanga. Nachela yo motema. J'ai remis mon cœur entre tes mains. J'ai confiance en toi. C'est ce que la chanson veut simplement dire. J'ai confiance en Dieu. As-tu confiance en Dieu qu'il est capable de changer des choses? Qu'il est capable de transformer des choses? Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Et bien aimé, je vais terminer pour dire quelque chose. Deux choses, je vais terminer. La guérison des blessures intérieures a deux visages, a deux façades. Le premier visage, c'est que c'est un phénomène instantané. Un phénomène instantané. Cela veut dire que pendant que j'étais en train de parler, il y a des gens qui ont reçu leur délivrance d'une manière instantanée. Vous voyez? Il est capable, c'est-à-dire d'une manière instantanée, la parole te touche et les choses changent. Et je crois de tout mon cœur que quelqu'un a expérimenté cela ce soir. Que d'une manière instantanée, Dieu a changé des choses dans ta vie. D'une manière instantanée, tu as senti la paix au niveau de ton cœur. Comment tu vas sentir? Tu sens la paix au niveau de ton cœur. Tu sens réellement une paix intérieure. Peut-être qu'avant de m'écouter, tu étais agité. Mais voilà qu'en écoutant la parole, tu sens la joie revenir en toi. C'est que Dieu a opéré une délivrance instantanée en toi. Et je bénis grandement le nom de l'Éternel pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Un miracle instantané. Et le deuxième visage, c'est que la guérison peut être aussi un processus. Cela veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que pendant que les autres font monter des cœurs, toi tu dis, mais c'est déjà entendu. Ça ne produit absolument rien. Mais laisse-moi te dire, c'est aussi un processus. Pas aujourd'hui, même demain, même en dormant, se réveillant, tu sentiras que quelque chose s'est passé. Et quand tu as la foi, tu crois en cela, bien-aimé, ça sera possible pour toi. Instantané. Et un processus. Et quand je parle de ce qui est des processus, cela dépend de Dieu.
Cela dépend de Dieu. Donc, retenez bien aimé que la guérison a deux faces, a deux visages. Premier visage, c'est d'une manière instantanée. Et deuxième, un processus. Alors, par rapport au processus, cela dépend de Dieu. Amen. Et deuxièmement, cela dépend de la personne qui a été blessée. Et troisièmement, cela dépend aussi de la qualité de la blessure. Trois choses. À ce qui concerne le processus, cela dépend de Dieu. Cela veut dire que Dieu est le Dieu qui peut le faire directement dans ta vie. Où Dieu peut se dire, je vais accorder le temps. Que ça soit un processus, comme la délivrance, comme le salut, c'est un processus. Et deuxièmement, cela dépend aussi de la personne qui est blessée, ou qui a été blessée, ou qui est blessée. Il y a d'autres qui disent, mais ouais, malgré tout ça, mais moi je n'ai pas pardonné. Ça dépend de toi. Moi je ne peux pas changer. Même Dieu, même le Saint-Esprit ne pourra pas faire ce que toi tu ne veux pas. Donc ça dépend de toi. Si tu veux que ça prenne un temps, ça dépend de toi. Si tu veux que ça puisse réellement être instantané, ça dépend aussi de toi. Parce que c'est toi qui es blessé. C'est toi, c'est moi. Nous sommes dedans. Et troisièmement, c'est la qualité de la blessure. La profondeur de la blessure. Lisons la Bible. Ésaïe chapitre 58, verset 8. Ésaïe 58, le verset 8. La Bible dit ceci. Ésaïe 58, le verset 8. La Bible dit, alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Et ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Tu vois, ça dépend quel type de blessure tu as reçu. Alléluia. Mais la Bible nous dit que ta guérison germera promptement. Germera promptement. Et si tu le crois, Dieu est capable de l'opérer. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de transformer. Alléluia. On va lire encore un verset. Ésaïe chapitre 31, verset 9. Ésaïe 31, verset 9. La Bible nous dit, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements, verset 10, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour les sacrificateurs Aaron, les vêtements de ses fils, pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et les parfums odoriférants, donc, pour les sanctuaires, ils se conformeront à tous les ordres que je donnais. Bien-aimés, Dieu est capable. Si tu lui laisses le temps, tu peux te dire, mais révérend, malgré que tu as parlé, moi je ne suis pas guéri. Moi je ne veux. Ça reste encore, c'est encore dur, c'est encore difficile pour moi. Laisse-moi te dire, je ne te force pas à pardonner. Je ne te force pas d'accepter seulement. Mais laisse le temps à l'Esprit de Dieu. Parce que peut-être que pour toi, ça peut prendre du temps. Ça peut être un processus. Mais les gens qui ont reçu leur délivrance instantanée, gloire à l'Éternel. Mais ceux qui sont aussi dans un processus, gloire à l'Éternel. Parce que ça dépend de Dieu, ça dépend de toi et ça dépend de la profondeur, de la grandeur, de la gravité de ta blessure. Et ce que nous devons aussi retenir, que Dieu peut utiliser les personnes, Dieu peut utiliser les circonstances pour te faire remonter. Alors, frères et sœurs, j'arrive à la fin de mon message.
Et je voudrais encourager quelqu'un pour lui dire, laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Laissons le temps à Dieu. Il est capable de transformer. Il est capable de te bénir. Il est capable d'essuyer les larmes. Il est capable de changer toutes les choses. Et si tu crois avec moi, je vais prier le Seigneur pour toi. Je vais prier le Seigneur pour toi, pour que Dieu te relève. Et je veux que toi, tu sois le prochain sur la liste des gens qui vont témoigner. Que j'ai passé 10 ans, j'ai passé 15 ans, 7 ans, 8 ans, avec des blessures intérieures. Mais Dieu, en écoutant la parole de ce soir, Dieu m'a guéri. Et tu témoigneras. Et ça poussera aussi les autres à croire que Dieu est capable de changer des choses. Dieu notre Père, je prie. Je recommande ma soeur, je recommande mon frère qui a suivi ce message ou qui va les suivre en différé, de les bénir. Mon Dieu de gloire, de transformer sa vie, d'accomplir éternel mon Dieu la délivrance. Que les blessures intérieures éternel mon Dieu soient ôtées. Au nom puissant de Jésus, restaure la vie. Bénis éternel mon Dieu de gloire. Je sanctifie ta présence dans leur cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et acclamer le Seigneur? Alléluia. Lui, le Dieu vivant, on acclame, on fait monter des cœurs, des likes, que le Seigneur des armées soit béni. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, le Dieu de notre salut, le Dieu qui libère, le Dieu qui transforme, le Dieu qui change. Alléluia. Soyez abondamment bénis, alléluia. Je suis dans la joie, car Dieu m'a libéré. Je bénis l'Éternel, je le célèbre parce qu'il est grand. Je le célèbre parce qu'il est puissant. Gloire à l'Éternel, alléluia. Alléluia, hosanna. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis, alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut-il dire avec moi, hosanna, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Quelqu'un peut-il dire hosanna, alléluia? Oh, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni, notre Dieu. Gloire à l'Éternel. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Rappelez-vous d'une chose, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Sachez une chose, hier c'était le tour d'autre. Personne. Mais ce soir, c'est ton tour, c'est ta saison, c'est ta minute, c'est ton moment. Dieu est capable de faire encore de grandes choses. Même ce que je n'ai pas pu dire, l'Éternel Dieu fait au-delà de tout ce que nous n'avons pas dit. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Soyez abondamment bénis. C'était pour moi un privilège d'avoir eu ce temps de partager la parole avec vous. Soyez abondamment bénis. Et je vous donne un grand rendez-vous demain matin à partir de 5h heure de Londres. Nous serons en prière et demain nous allons prier d'une manière spéciale. Ne manque pas. À partir de 5h jusqu'à 5h30 heure de Londres, 6h heure de Paris, minuit heure de la Guadeloupe, Martinique et 6h de Bruxelles et 5h heure de Kinshasa. Et 6h heure de South Africa ou l'Afrique du Sud. L'Éternel Dieu va nous bénir abondamment. Et par la grâce de Dieu, que Dieu te bénisse ma fille Iken. C'était pour moi une joie de te voir aussi parmi nous. Alors, le jeudi nous allons revenir. Préparons-nous. Dieu est en train de faire de grandes choses. Je sens l'atmosphère en train d'être dégagée. Ne manquons pas. Que Dieu nous bénisse. Et on se retrouve demain à partir de 5h. Et n'oubliez pas, le jeudi à partir de 18h30. Soyez bénis. C'était votre pasteur, le révérend Samuel Serge Sapou. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Bye bye. Ciao, ciao. God bless you. I love you. Bye bye.